entrait dans la grotte, Eos, déesse de l'aube et sœur d'Hélios, le regardait d'en haut, visiblement affaibli par l'absence du soleil. Gloire au Seigneur Zeus pour t'avoir permis d'arriver jusqu'à moi. Le roi des dieux ne m'aide pas, Eos. Je ne suis que l'esclave de Zeus et de l'Olympe. Sauve mon frère Kratos, et il convaincra Zeus de te libérer et de te débarrasser des atrocités de ton passé. Tu as ma parole. Les dieux ont trop souvent failli à leurs paroles. Ne m'en veux pas si j'ai du mal à croire tes promesses. Qu'il en soit ainsi, Kratos. Le feu primordial est presque éteint. Sans Hélios, la lumière nourricière du monde ne peut être maintenue. Si tu ne le retrouves pas, nous ne pourrons échapper aux ténèbres et à la mort. Où Atlas l'a-t-il emmené? Je l'ignore, Kratos. Suis le passage hors de la grotte. Récupère le feu et il te guidera aux destriers restants. Ils te conduiront à leur maître. Ils te conduiront à mon frère. Que la vitesse d'Hermès soit avec toi, fantôme de Sparte. Thank you.
Faites vite, Kratos. Yeah!
Come on.
sortie du temple, Kratos fut assailli par l'armée de Morpheus et à nouveau entendit la mélopée. Mais cette fois, il reconnut la chanson de sa fille, Calliope. Calliope ? Ma fille, où es-tu ? Calliope !